la poste. Je vais chercher un recommandé. Je sais pas, il y a une contravention. Celui-là dans 20 minutes. Eh, Pierre, tu cours comme ça. Ah, Serge, excuse-moi, je me dépêche, je vais à la poste chercher un recommandé. Eh, t'oublies pas pour demain soir. Mais t'es fou, bien sûr que non. Allez, ciao. Ciao. Je vous remercie. Hein. Vous pouvez pas faire attention, non? Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça, excusez-vous. Je vous en prie, non? Bonjour, madame. Pierre Dano. Je viens chercher un recommandé. Pièce d'identité. Là, ça va pas être possible. Parce que c'est vous qui les avez. Comment ça, c'est moi qui les ai? Bon, je vais essayer de faire court. Voilà. Vendredi dernier, je suis parti en week-end à Deauville. En charmante compagnie. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je sais, c'est pas votre problème. Mais vous savez, dans ces moments-là, on a souvent la tête ailleurs. Hein. Bien. Donc, lundi matin, en arrivant sur Paris, je m'aperçois que j'ai oublié à l'hôtel ma pochette, avec à l'intérieur tous mes papiers. Oui, parce que quand je m'absente, j'ai l'habitude d'emporter avec moi tous mes papiers. C'est idiot. Donc, j'appelle l'hôtel et le concierge me confie qu'effectivement, ils ont retrouvé mes papiers. Voulez-vous qu'on vous les envoie, me dit-il. Absolument, lui répondis-je, mais en recommandé, si ça ne vous dérange pas. Pour ne pas les perdre. Mais pas du tout, monsieur. Nous faisons ça immédiatement. Voilà. Et pourquoi vous avez tous mes papiers en votre possession? Vous comprenez? Bien, je sens que la journée va être difficile. Je résume. Vous avez tous mes papiers en votre possession. C'est pourquoi... Mais ça va, je suis pas débile. Mais le règlement interdit de donner un recommandé sans pièce d'identité. Bon, d'accord. D'accord, je vais essayer de faire plus simple. Vous prenez la pochette. Vous l'ouvrez, vous prenez ma pièce d'identité et constatant que c'est bien moi, bah vous me remettez la pochette, voilà. Ça vous va comme ça? Ah mais monsieur, c'est pas possible. On peut pas ouvrir le courrier des clients. Bah, je sais pas, vous avez bien sûr, vous, tout de même, une carte de crédit. Il n'y a pas de lumière dans toutes les pièces. Pardon? Non, madame, je sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas de photo sur nos cartes de crédit. Alors je fais comment, moi? Ah bah, je sais pas. Mais moi, pas de papier, pas de colis. Pas de papier, pas de colis. Mais putain, mais c'est pas vrai. Moi, je connaissais pas qu'on aura pas de chocolat, mais pas de papier, pas de colis. Jamais. Bon, alors qu'on m'appelle le responsable, hein. Qu'est-ce que c'est que ce rafut? Y a plus moyen de faire sa sieste tranquille? C'est pas moi, monsieur le directeur. C'est Josette. Encore? Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, madame Sanchez, qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? C'est vous le problème? Bon, écoutez, monsieur, je ne sais pas si je suis un problème, mais j'ai oublié tous mes papiers dans un hôtel. On me les a retournés en recommandé et madame ne veut pas me les restituer. Voilà. Croyez bien, monsieur, que je comprends très bien votre situation. Ah. Mais... malheureusement, madame Sanchez a raison. Eh oui, le règlement est formel. On ne peut pas donner de recommandé sans papier d'identité. Ah, vous voyez? Bien. Je vois que monsieur, vous êtes le responsable, donc en principe compétent, voire intelligent. Enfin, je sais pas, vous pouvez prendre sur vous, ouvrir cette pochette, prendre ma pièce d'identité et constater que c'est bien ah, moi, non? Monsieur. Ah, monsieur. Enfin, ah, je suis désolé. Ah. Alors, franchement, hein, je suis désolé. Mais voyez-vous, le règlement est très précis. Hein. Je ne peux pas ouvrir le paquet d'un client. Ah non, et encore, là, vous avez de la chance. Parce que nous, on travaille à l'ancienne. Ah oui, avec du personnel. Mmh. Ah, les gens hurlaient de joie quand on a privatisé la poste. Et vous verrez, dans quelque temps, quand vous vous adresserez à un ordinateur.
Non, croyez-moi, le mieux, ce serait que vous retourniez chez vous et que vous cherchiez un document plus ou moins officiel. Mais avec photo. Mais monsieur, je n'ai rien, vous comprenez? Tout est dans cette enveloppe. Il y a mon passeport, ma pièce d'identité, carte vitale, permis de conduire. Je n'ai rien, vous comprenez? Ben, ce que je comprends surtout, monsieur, c'est que vous perturbez le service. Mais comment ça, je le perturbe? Vous gênez les gens qui attendent. Alors, s'il vous plaît, retournez chez vous et quittez mon bureau de poste. Ou j'appelle la police. Ça, c'est une bonne idée. Je vais à la police. Portez plainte. Ah! Alors, hein, voyez, mon petit, tout s'arrange. Oh, et vous n'en profitez pas pour me ploter. Mon Dieu. Oh, puis arrêtez de dire toujours mon Dieu, c'est agaçant. Mon Dieu. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis embêtée parce que je suis un peu dans le même cas que le monsieur. Comment ça? Moi aussi, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes papiers, alors... Ah, mais vous, c'est différent. Je vous connais. Vous venez souvent dans ma poste, hein? Donnez-moi votre avis. Non, mais ça, c'est la meilleure. Non, mais je rêve, j'hallucine. Il suffit de lui mettre une paire de nez barres sous le pif pour qu'aussitôt, il voit une apparition de la Vierge. Madame Sanchez, je vous prierai de garder vos réflexions pour vous. Attends, au travail, on reparlera de ça plus tard. Alors là, ma grande, pour ta promotion de canapé, t'es niquée. Quand tu parles vu son âge, le sang lui monte plus vite à la tête qu'il descend dans les couilles. Alors là, madame Sanchez, vous dépassez les bornes. Vous passez immédiatement dans mon bureau. Je vous suis. Enfoiré. Et voilà comment, à 6 mois de la retraite, se termine une collaboration de plus de 30 ans. 30 ans? Oui. 30 ans... pas toujours facile, je dois le dire. Monsieur le directeur, oui, je comprends. Alors, et ma lettre? Oui. Toutes ces histoires, je sais plus très bien à quel sein me vouer. Bah dis donc, non mais vous gênez pas. Vous savez, elle a raison, votre employé. Vous êtes vraiment un vieux pervers dégueulasse. Oh, pervers, oui, dégueulasse. Ah, bonjour. Excusez-moi, le bureau des plaintes, s'il vous plaît. Alors, pour déposer plainte, c'est au premier étage, porte à gauche. Merci. À votre service. Ah, on fait comme on a dit. Attends, ne clique pas. C'est pourquoi? Le bureau des plaintes. Asseyez-vous, je vais vous annoncer votre nom. Danon, Pierre Danon. Ouais. Danon, enfin! Quoi? Attends. Ouais, j'y vais pour une plainte. Ok, je te renvoie. Monsieur Danon! Monsieur Danon! Vous pouvez rentrer. Merci. Mais merde, mais faites attention, mais. Mais c'est pas vrai, c'est encore vous? Oh, mais excusez-moi. Ouais, c'est ça, je les connais, les excuses. Là. Ça fait 2 fois aujourd'hui, c'est beaucoup. Oui, bon, ça va. Ouais, quelle journée de merde. Oui, comme vous dites, une journée de merde. Merde. Ah, monsieur Dallon. C'est où, je vous prie. Colombo. Jean-Pierre Colombo. Et voici Marie Kojak. En formation chez nous et qui va suivre notre entretien. Bon, alors. Oh, c'est moi qui enregistre la plainte. Ouais, c'est ça. Racontez-moi. Bah oui, voilà. Je viens déposer une plainte contre la Poste. Ah. Vendredi dernier, je suis parti à l'hôtel en charmante compagnie. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé à l'hôtel? J'ai passé donc tout le week-end, mais malheureusement, j'ai oublié ma pochette dans cet hôtel, cette pochette dans laquelle il y avait tous les papiers. Lundi matin, quand je suis arrivé à Paris, je m'en suis aperçu. Très gentiment, le réceptionniste me l'a renvoyé. Hein, mais où? À la Poste. Et quand je suis arrivé à la Poste pour venir chercher mes papiers, ces idiots là-bas, vous savez ce qu'ils m'ont demandé? Des papiers. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous me paraissez bien agité. Permettez, Marie, un ballon. Oui, chef. Un ballon. Voilà, chef. Et arrête de m'appeler chef, ça m'énerve. Bien, chef.
Soufflez. Mais qu'est-ce que soufflez? Soufflez, mais pourquoi faire? Bah, écoutez, soufflez, c'est juste comme ça pour voir. Mais enfin, vous savez que j'ai pas pu! Je suis venu à pied! Bon, écoutez, ou vous soufflez, ou c'est direction l'hôpital, prise de sang, et on vous met en garde à vue en attendant le résultat. Ça vous va, ça? Puisque je suis mis à pied! Oh, oh, on se calme, hein? Parce que sinon, c'est garde à vue quand même! Oui, hein? Pas bien entendu. Non, rien. Ah. Rien. Alors, comme ça, on veut porter plainte contre la Poste. Hmm? Ouais, oui, parce que. Parce qu'il y a ma pochette. J'ai oublié ma pochette. Mmh. Voilà. Je sais plus, c'est ce que vous voulez. Quoi, mais quoi, quoi, vous savez pas? On le fait ou on le fait pas? Parce que moi, j'ai pas que ça à faire. C'est oui ou c'est non? Ben, oui, c'est oui. C'est oui. Bon. Alors, je vais prendre la déposition. Un papier, s'il vous plaît.